nouvelle offensive neigeuse et celle-ci est plutôt sérieuse. Elle s'est abattue dès 7h ce jeudi matin en plein cœur du pays gapensé. Le centre-ville est entièrement recouvert d'une épaisse couche blanche de 5 cm en quelques minutes. L'heure est au déblayage pour les commerçants. C'est attendu cet épisode neigeux, hein ? Oui, bien sûr. Et on est content, oui, c'est bien. Ça fait de la neige. Et surtout, on fait nos devoirs de citoyens en déneige. C'est ça qui est bien. Ah, ça fait plaisir, oui. Surtout pour les stations, il y en avait vraiment besoin. Et vous, là, pour le quotidien, ça change pas grand-chose ? Oh, pas grand-chose. Non, nous, ça nous dérange guère, on est habitué. S'il est vrai que l'on est habitué ici à des épisodes neigeux importants, cela n'a pas empêché la paralysie du centre-ville de Gap pendant 2 heures. Plus haut, dans les stations, c'est encore plus sérieux. On a compté près de 50 cm de neige fraîche. Ici à Orcières, c'est jour de marché. Et du côté des pistes, on se prépare à 48 heures de travail intensif. Franck Durand, directeur du domaine skiable, est plutôt satisfait et surtout prêt. Là, toutes les équipes des pistes vont être mobilisées en termes de PIDA terrestre, avalancheur et puis et le CATEX également, bien évidemment, dès demain matin à 6h. Cet épisode neigeux est le bon et devrait offrir d'une manière durable ce vrai visage des paysages alpins pour toute la saison.